French authorities have arrested Russian-born billionaire Pavel Durov. Durov is the CEO of messaging app Telegram, which is highly popular and influential in Ukraine and Russia and the republics of the former Soviet Union. The 39-year-old was arrested after his private jet arrived in Paris on Saturday. Durov faced court in the French capital on Sunday after being detained following an investigation into his encrypted messaging service and a lack of moderators. C'est une arrestation à grand spectacle, à la sortie de l'avion d'un milliardaire qui débarque sur le tarmac et qui sort de son jet privé, donc vraiment fait pour attirer l'attention. Quant aux motifs qui lui ont valu cette arrestation, ils sont multiples et variés, et il est grosso modo accusé d'être complice de tout ce qui peut être délictueux et qui a été commis sur sa plateforme. Alors, sachant qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs, ça fait beaucoup de choses. Et il est également accusé de tout un tas de choses concernant la cryptographie qu'il utilise sur sa plateforme, ce qui est encore plus inquiétant, parce que c'est des délits qu'on peut reprocher à une quantité faramineuse de gens. Il y a plein de chefs d'inculpation qui pourraient être légitimes. Le problème est de considérer quelqu'un comme complice de tous les méfaits qui se commettent sur une plateforme qui accueille 1 milliard d'individus. Donc oui, il y a de la prostitution infantile sur Telegram, mais vous la trouvez également sur Snapchat. Oui, il y a du trafic d'armes sur Telegram, mais vous le trouvez un peu partout. Oui, il y a de la vente de stupéfiants sur Telegram, mais vous le trouverez sur Facebook. Il y a tout ça sur Telegram, il y a de la pédopornographie, mais là encore, vous allez la trouver sur Snapchat ou sur Facebook sans trop de difficultés. Ce qu'on reproche à Telegram, on peut le reprocher à la plupart des grandes plateformes qui accueillent des utilisateurs par centaines de millions, parce que quand vous accueillez des centaines de millions d'utilisateurs, à la marge, il y a forcément des gens qui sont complètement en dehors du cadre de la loi. Le timing, il arrive à un moment en France où on est en train de s'éloigner à vitesse accélérée des rives de la démocratie, donc il n'est pas anodin. La raison pour laquelle on s'attaque d'abord à Telegram, c'est pour l'instant pas très clair, c'est probablement une cible facile, c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à Pavel Durov que de s'attaquer à Elon Musk. Les capacités de rétaliation de Durov sont assez minces, alors que Elon Musk ou Mark Zuckerberg, c'est une autre histoire. Mais c'est un message adressé, a priori, à l'ensemble de l'entrepreneuriat numérique, que ce soit en France ou à l'international. Si vous vous mêlez de protéger la vie privée, si vous vous mêlez d'offrir une liberté d'expression à des gens qui n'ont pas nécessairement le droit, c'est un droit qui est assez flou dans le droit français, vous risquez les foudres du gouvernement français. Là-dessus, c'est très clair. Il y a aussi un autre message qui est plus subtil, qui s'adresse au monde de la cryptographie, mais finalement, c'est très proche. Et là, on est aussi en train, par effet rebond ou de façon malencontreuse, en train d'avertir le monde de la crypto, le monde de la blockchain, en lui disant que les terres françaises leur sont hostiles.